Hey, hey, alors, je vous ai manqué? En tout cas, on dirait, vu que la dernière vidéo que j'ai faite avant mes vacances, eh ben, il y a 43 vues dessus sur Twitch. Je ne sais pas d'où sortent ces 43 vues. Est-ce qu'il y a une personne qui s'amuse à regarder la vidéo en boucle? Parce que je lui ai manqué énormément. Est-ce que 43 personnes se sont paumées? Je sais pas. Tout ça pour essayer de meubler pendant que je suis en train de mettre le live sur mon téléphone pour vérifier que tout marche bien. Voilà. Parce que je suis quelqu'un de consciencieux, comme vous savez bien. Les plus observateurs découvriront que j'ai maintenant une lampe en face de moi. On voit quand même vachement mieux la vie comme ça. Alors, les plus observateurs verront aussi que j'ai une sauvegarde à 22h22 le 18 juillet. Et une autre à 22h49. Ça a été un échec cuisant. J'ai donc totalement supprimé la vidéo parce que j'étais hors de moi. Et qu'à un moment donné, trop hors de moi, ça devient un peu too much. Comme ça, vous savez tout. Du coup, je tape dans mon téléphone et je fais des conneries. Donc voilà, dans Remozo Broken Porcelain, pour rappel, c'est le préquel. Quelle est la suite de Remother Tormented Father, qui est une autre vidéo que j'ai faite. Suite à mes vacances, mes vidéos disparaissent peu à peu de Twitch. N'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. C'est le même nom, je devrais essayer de la trouver. Alors, dans le dernier épisode, j'essayais désespérément de prendre notre ami Andrea, je crois qu'elle s'appelle, par surprise. Ça marche pas. Et ça m'a beaucoup énervée. Du coup, je m'étais renseignée. Je sais plus si j'avais déjà vu ça. Ça remonte un peu, donc je sais plus trop ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je crois qu'elle va arriver. Je vais pas la prendre la bouteille là. Ouais, donc j'avais fait quelques petites recherches. Dans l'idée de. Mais c'est pas vrai, mais je ne voulais pas refermer ce machin. Dans l'idée de comprendre qu'est-ce que je faisais mal. Et ça m'a permis de découvrir que je n'ai nullement besoin d'obligatoirement la prendre par surprise. On va laisser ce truc fermé. Hein. Si je lui balance des trucs à la gueule, ça marche aussi. Juste ça prend plus de temps. Et j'ai une probabilité de me faire massacrer. Ce qui est précisément ce qui s'était passé dans l'épisode que j'ai effacé. Tellement il m'a gonflé. Je vais donc essayer de faire ça plus intelligemment cette fois-ci. Si je fais B, je pense qu'elle se suicide en se jetant par-dessus la rambarde. On va éviter. Donc, l'idée c'est que je peux lui balancer des trucs. Si je crafte des trucs, c'est censé marcher mieux. Bon, là j'ai trois bouteilles. Sauf que je trouve pas tellement d'objets pour craft. J'ai trois bouteilles. Je peux me défendre avec une pelle. Ok. Bon, c'est déjà trois bouteilles que je peux lui balancer dessus si je la croise. J'ai retrouvé une clé papillon. Ah ouais, mais du coup, la clé papillon. Je sais maintenant que je peux les utiliser pour débloquer des compétences. Je sais pas du tout si je l'ai fait dans cette partie-ci. Pourquoi elle veut pas ouvrir? Est-ce sérieux? Si par miracle elle se retourne pas, je serais peut-être attaquée par surprise. Oh là, elle va se barrer. Putain de merde, mais arrête de te barrer. While they're wandering around the house. Ah putain, ça fait peur. Working my ass off. Ah, filthy whore.
Ah, j'ai raté. Merde. Ah, mais je sais plus courir. Attends, madame, excuse-moi, je sais plus comment on court. Comme ça. T'inquiète pas, je regrette déjà. Là, j'ai des ciseaux. Là, je peux lui balancer une tasse. Elle est où? Elle est partie. Elle n'est pas très déterminée à me buter non plus. Hein. Bah oui, madame, tu me suivais, tu étais barrée. Non, c'est par là. Là, bouteille. Sérieuse? Eh, faut arrêter de boire, hein. Bah, techniquement, t'es en train de lui balancer des bouteilles à la gueule, donc... Si, tu fais quand même un petit peu quelque chose, mais... Mais bon... Attends, je suis censé... Voilà... Une bouteille. En vrai, si je trouve toutes les bouteilles et toutes les tasses du bâtiment... Ah, mais non, mais ça, je m'en fous. Il y a moyen que je me débarrasse d'elle. Hein. Je peux balancer ça? Ouais. Ça, c'est pour rentrer dedans. Mais merde! J'avais déjà une arme. C'est pas ça que je voulais, moi. Bouteille d'ammoniac. Est-ce que ça peut m'aider à crafter un truc? Étourdissez l'ennemi un certain temps. Est-ce que si je l'étourdis, je peux faire une attaque discrète? Je suis tenté, hein. Plus d'ammoniac. Je crois que c'est avec les miroirs que je me soigne. Je sais plus. C'est la bouteille d'ammoniac du coup que je... Attends. Je vais équiper celle-là. Mais je m'en cogne de tes carillons. C'est pas les carillons qui vont nous sauver, écran. Quoi? Étourdissez les miens sortant. Ah, mais oui, j'en ai deux, les bouteilles. J'ai fait. J'ai doublement dosé le truc. J'ai compris là. C'est Docteur Gameuse, tu vas bien? Ça j'avais déjà vu. Ça si je me souviens bien, cette porte là, elle s'ouvre pas. Ça s'est fermé aussi. Ça c'est la buanderie. Ça je m'en fous. Ah oui, c'est ça pour Ah mais une clé papillon. Je veux une clé papillon. Est-ce que là, du coup, j'avais déjà débloqué des trucs ou pas? Ça a pas l'air.
monte là. Je comprends pas ce que c'est. Mini-jeu des stalkers essayant de percer une porte que vous bloquez. J'ai bloqué une porte, moi. Temps nécessaire pour installer, ok. Durée du sprint. Améliorer, endurance améliorée. Non, je voulais pas faire ça. Voilà. Bruit des mouvements réduit de 10. Mini-jeu d'autodéfense. Ça, je vais prendre. Améliore les dégâts. Ça, oui. Vous avez besoin d'un agent anti-corrosion de moins pour fabriquer des objets avec la propriété corrosive. Ça, franchement, ça me parle bien aussi. Vous avez besoin d'un fil de fer de moins pour fabriquer des objets avec la propriété bouchée. Vas-y. Celui-là, je pourrais pas le bloquer. Deux objets de défense rapide en même temps. Ça vaudra le coup plus tard. Vitesse de récupération de santé. Ça, je vais le prendre. Et ça, je peux pas. Voilà, comme ça. On s'est bien boosté les fesses. Ça serait peut-être bien que j'ai un point de sauvegarde parce que j'en ai un peu marre de me retaper ce truc à chaque fois. C'est quoi ça? Une gamine disparue. Ça, c'est un des carillons débiles. Ça me sert à rien. Ça se fermait. Il était déjà où mon miroir? Sais, quand je la vois qui court comme ça, elle me fait penser aux méchants dans Scream. Genre, ce bug a fait pitié, mais c'est tout comme. Rétablir le point de vie. Ok. Tiens, apparemment, ça fait pas comme dans le jeu précédent. Où ça cassait le miroir au fur et à mesure que je rétablissais mes points de vie. Je sais faire ça. Cool. Ah bah vas-y. Je savais même pas que j'avais ce qu'il fallait pour faire ça. Je vais pas prendre la bouteille dedans. Visiblement, non. Ah, ok, là j'ai un couteau. En vrai, des armes, il y en a pas mal, mais le problème, c'est qu'elle ne l'utilise qu'au moment où elle est à la fin de sa vie. Et du coup, si je me foire une fois, je meurs comme une merde. Parce que j'ai déjà fouillé son tiroir. Donc les papillons. Ça, je crois que j'avais eu. Et du coup, je suis pas sûre de l'avoir lu. Seigneur, aidez-moi, j'en supplie. Aidez-moi, pourquoi m'avez-vous abandonné? Les docteurs sont capables de m'aider. Cette chose est dans ma tête. Les migraines peuvent durer des journées entières. Je suis sûre d'avoir déjà lu ce truc-là. Bon, en gros, elle va pas bien. Et c'est pas de sa faute s'il devient taré. Est-ce que ça l'excuse? Non, pas du tout. Elle s'est barrée où sinon? Est-ce qu'il y a un nombre limité d'objets? Salut chérie. Plus de bouteilles. Devenons
Alcoolique. Mais je m'en fous des trucs qui l'attirent. Si je veux l'attirer, j'ai qu'à faire ça. Mais c'est déjà pas. Non. Voilà, ça. Ah, je crois qu'elle m'a entendu. D'habitude, ça marche pas. Dans le carillon, je m'en tape. Une petite tasse. Dans une bouteille. Ça va aussi, une bouteille. Mais oui, mais comme si tu veux, je m'en fous. Encore une petite tasse? Moi, je considère quand même que n'importe quel objet que je trouve, je devrais pouvoir lui balancer à la gueule. Hein. Qu'est-ce que c'est un tournevis, je crois. Qu'est-ce que justifie que certains objets, je peux, mais genre le gros pot de fleurs, là, je peux pas lui balancer à sa race. Bon, madame, t'es où? Ah! Visiblement, ça l'a fait réagir. Ah, voilà. Coucou. Voilà. Donc, ça c'est fait. La première tentative, ça marche pas. Putain, j'ai gaspillé une bouteille. On va s'éloigner d'elle avant que... Aïe, connasse. Avant que ça, clairement. Oh mais non, mais je l'ai raté! J'ai plus rien à lui balancer à sa gueule. J'ai peur de faire un mini-jeu. Bon, attends, parce que... En plus, j'ai un machin avec un truc couché, là. Je peux pas te balancer la tasse, là? Aïe, si, je peux. Tiens, mange ma tasse. Mais... Laisse-moi bouger! Tiens! Bouffe ça, connasse. Lâche-moi. Je suis coincée. Et là, c'est le moment où faut pas que je me foire. Ça va, j'ai un couteau. Mais non! Malé, mais elle vise comme une merde! Mais j'ai rien à te lancer, t'es chiante, hein. C'est bien, lance-moi de l'autre côté, ça ne change rien, aucun problème. J'aimerais bien juste un truc à lui balancer à la gueule. Allez, mais sérieusement, quoi, le nombre de trucs qu'il y a dans cette armoire que je pourrais lui lancer, c'est normal. C'est incroyable! Je sais pas, lance-lui une lampe. À retenir, il y a un couteau là par terre. Ça, c'est pour se cacher, je m'en tape. Enfin, j'ai pas besoin de me cacher avant le jeu. Ah oui, c'est pas pigé partout. Mais oui, je sais que t'as pas envie de mourir, mais j'ai pas envie que tu meurs non plus. Donc les papillons. Aïe. Hop, tiens. I think I'm going loin de toi, parce que tu m'emmerdes. Si elle me choque maintenant, je suis... Mais lève-toi, connasse! Non! Putain de... Et ça y est, mais j'en ai marre. Mais
C'est pas évident que si je dis de sprinter, elle doit pas rester accroupie comme une grosse débile. Tiens, faut que je recommence encore tout à zéro, c'est chiant. Wanna play tough? I'll show you, bitch. Mais tu l'as déjà dit, ça, espèce de conne. Mais merde. Bouteille. Là, il y a un couteau. Bouteille. Donc, je suis au max de mon alcoolisme. Ça, c'est un carillon débile. Là, il y a un couteau. Faut pas que je me foire. Mais non, mais ne fais pas ça maintenant. Genre. Mais je suis bloquée là. Putain, mais sois assommée un moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame. Suffit les conneries maintenant. J'avais un couteau ici. Voilà. Mais avant, ça l'avait assommé les bouteilles. Là, j'ai une bouteille. Là, il y a un carillon débile. Je peux essayer de la prendre par surprise. I told Ashman that we didn't need desperate children. Comment est-ce que je suis censée la prendre par surprise? Elle marche trop vite, cette conne. Non, 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 non. Ah, ça me lourde. Ça a même plus l'air de lui faire d'effet. J'ai pas un peu de respect, je me donne du mal, moi, pour casser des bouteilles. Allez, mais tombe, hein, vieille mégère. Aïe. Putain, elle m'enchaîne comme... Attendez, parce que si elle s'assomme, là... Ouais, voilà, j'allais dire... Si elle s'assomme à ce moment-là, je suis niquée. Mais j'essaie de buter la vieille, j'ai déjà essayé 10 fois. Allez. Tiens, j'aimerais bien faire une sauvegarde après qu'elle se soit assommée une fois en fait, après les vacances. Tiens, mange une tasse. Tu aimes les tasses. Oui, je te hit. Non, je veux le couteau. J'ai le couteau. Coup papier, c'est pareil. Je m'en fous. Là, si elle m'enchaîne, je suis niquée. Putain, je vais. Ça va.
tout va bien. Bah vas-y, mais prends donc une pause devant la porte. C'est tout à fait le moment. Je trouve même que tu devrais t'arrêter pour boire un petit thé. Quand même bien avoir des trucs à lui balancer. Come here. I won't hurt you. Elle va me voir là. Comment ça tu veux ouvrir mon ventre? Ben, je ne te permets pas. Je crois que ça veut dire Billy. Wanna hop on your belly? Enough with the hiding! Mais je me cache pas. Allez là. Exploiter pleinement les objets. Bah vas-y, fais-toi plaisir, mais... Bah, I think I'm gonna in the way if I want to. And I think I have a very good accent in English. Je me cache si je veux, pour pièce. J'ai trouvé des bouteilles à te balancer à la gueule. Putain, mais il y a des couteaux partout, mais je peux en porter qu'un. Mais oui, je sais que je peux l'appeler avec des carillons, mais je m'en tape. Ah, bouteille. Et la bouteille là, j'ai pas le droit. C'est quoi? C'est parce qu'on l'aime trop? Ouais, voilà, j'allais dire. Il y a quoi là-dedans? Je vais pas te mentir, madame, moi aussi ça commence à me fatiguer un peu. Du coup, je serais d'avis que tu te laisses mourir. Comme ça, on peut avancer un peu dans le jeu. Bon. Voilà. J'ai trois trucs à lire. Ah! Mais je l'ai raté, ta mère, là! Chouin! Tu me casses les couilles! Faut que je retrouve une arme. Il n'y en a pas là-dedans? Putain, il y en avait tous les 10 cm! Qu'est-ce que c'est fou là? Elle était de l'autre côté. Bon, si j'ouvre ça. Une radio cassette. Je n'ai que ça à foutre de ramasser un radio cassette. C'est quoi, j'ai pas besoin de ramasser d'armes. Il y en a tous les 2 mètres. Voilà. C'est mieux ça. Alors, t'es où? En vrai, si je pouvais aller faire une petite save, moi ça m'arrangerait. Comme ça, je me retape pas tout le passage où elle a pas encore été assommée.
Ah ah! Eh! Je l'ai eu. J'arrive même pas vraiment à me réjouir. Ah, ça y est. Ça fait combien de fois que j'ai recommencé ce truc? Filez-moi mon miroir. Je sais plus où il est. Je veux mon miroir. C'est fou. Ça m'a tellement saoulé que j'arrive pas à me réjouir en fait. Vieille conne. Il y a marqué exit là, mais. Mais je voudrais sauvegarder avant de exit. Attends, mais j'entends le clic-clic du miroir, il est où? Pourquoi il fait clic-clic le miroir d'ailleurs? Je suis complètement bête ou bien? Oui, je suis très bête, c'était juste derrière la porte exit que je voulais pas franchir. Alors, on récupère les points de vie. C'est bien connu. Ça sauve des coups de couteau quand tu te regardes dans le miroir. Hop. Et je pense que pour fêter ça, je vais faire un petit cut ici. Je sais pas combien de temps a duré l'épisode, mais. Mais. En vrai, 32 minutes. Donc, je suis pile dans les temps pour faire des épisodes de 30 minutes. Et ça, c'est cool. Donc, je m'arrête là. J'ai réussi à buter Andrea. Après, et 18 essais, allons trouver la prochaine personne qui va essayer de me buter pendant des heures. Parce qu'on s'amuse bien quand on fait ça. Allez, à plus tard pour le prochain épisode. Bye bye!